Pikachu, est-ce que ça va bien? Est-ce que tu es prête pour ce soir? Ce soir, on commence le tome 4 de Harry Potter. Attendez, je vous ai pas mis sur la bonne scène, excusez-moi. Enfin bon, c'était pas mal non plus. Voilà. C'était pas mal non plus, ceci dit, la scène avec les loups. Là, c'est gros dodo, là, il s'installe pour.
partir en mission. Maintenant, place à l'ASMR. Donc, je vous lis la préface. À Peter Rowling, en souvenir de Monsieur Ridley. À Suzanne Sladen, qui a aidé Harry à sortir de son placard. J'adore ce démo de ASMR avec Alpha qui lèche le micro, ça me fume. Trop content d'avoir cette idée. Et merci encore à Pyrrhic pour les émotes. Je sais plus si je vous avais montré. Il y a un plot de Poudlard que j'adore. Il était, il me semble, aussi dans le tome 3. Le focus galère un peu, mais. Donc là, c'est la gare de Bréolard. Là, vous avez le calamar géant. Le château de Poudlard. Le stade de Quidditch. Le sol cogneur, les serres, la cabane de Hagrid, là, et la forêt interdite. Oui, c'est trop bien. Je suis trop content de l'édition des 20 ans. Je pense que je vais me la prendre au complet. Bah, ça va bien, et toi, Oscar? Bah oui, tu viens de dire oui. Désolé. Mais par contre, elle est en train de sortir actuellement, c'est l'édition des 20 ans, du coup. Et le 5 n'est pas encore sorti, donc je pense que le 5, on se le fera avec mon édition à moi que j'avais acheté, qui est du coup une première édition. Donc c'est un vrai tome. Un grand, du coup. Ce sera plus confortable à lire pour moi. Alors, chapitre 1. La maison des jeux du sort. Les habitants du Little Angleton l'appelaient toujours la maison des jeux du sort. Même s'il y avait de nombreuses années que la famille Jeux du Sort n'y vivait plus. Elle se dressait au sommet d'une colline dominant le village, certaines de ses fenêtres condamnées par des planches, le toit dépourvu de tuiles en plusieurs endroits, la façade envahie d'un lierre épais qui poussait en toute liberté. Autrefois, le manoir avait une belle apparence. C'était sans doute le plus grand et le plus majestueux édifice à des kilomètres à la ronde. Mais à présent, la maison des Jeux du Sort n'était plus qu'une bâtisse humide, délabrée, déserte. Les villageois s'accordaient à dire que la maison faisait froid dans le dos. Un demi-siècle plus tôt, un événement étrange et terrifiant s'y était produit. Quelque chose que les plus anciens du village se plaisaient encore à évoquer lorsqu'il n'y avait rien de plus récent pour alimenter les bottins. L'histoire avait été racontée tant de fois, enjolivée si souvent, que plus personne n'aurait su dire où était vraiment la vérité. En tout cas, toutes les versions du récit commençaient de la même manière. 50 ans plus tôt, à l'aube d'une belle matinée d'été, alors que la maison de la famille Jeux du Sort était encore une imposante résidence, soigneusement entretenue, une servante était entrée dans le grand salon et y avait les cadavres des trois jeux du sort. La servante s'était précipitée au village et avait alerté à grands cris tous ceux qu'elle rencontrait sur son passage. Ils sont allongés par terre, tous les yeux grands ouverts, froids comme la glace, encore habillés pour le dîner. On avait appelé la police et tout le village de Little Angleton avait bouilli d'une curiosité indignée et d'une excitation mal déguisée. Personne, cependant, n'avait gaspillé sa salive à déplorer la disparition des Jeux du Sort, qui n'avaient jamais suscité une grande sympathie aux alentours. Monsieur et Madame Jeux du Sort, un couple âgé, étaient riches, arrogants, mal élevés, et leur fils déjà adulte, Tom, se montrait encore pire que ses parents. Tout ce qui importait aux villageois, c'était de connaître l'identité du meurtrier. Le crime ne faisait aucun doute, car trois personnes apparemment en bonne santé n'auraient pu mourir subitement de mort naturelle le même soir. Désolé, le mot crime, ça m'a rappelé grain, ça m'a fait rire. Au bord du village, le commerce avait bien marché ce soir-là. Tout le monde s'y était rassemblé pour parler du triple meurtre.
J'attends qu'ils reviennent. T'es toujours là, Scar? Pour savoir si tu viens jeudi. Attends qu'ils reviennent, je vais reprendre un petit peu. Faut le comprendre, c'est une femme accoudée au comptoir. Il a beaucoup souffert pendant la guerre. Maintenant, il aime bien être tranquille. C'est pas pour ça qu'il aurait... Et qui donc possédait la clé de la porte de service? L'avait interrompu la cuisinière. Il a toujours eu une clé de cette porte dans la maison du jardinier. Personne n'a pensé la serrure la nuit dernière. Il y a un autre carreau de cassé. Tout ce que Frank a eu besoin de faire, c'était de se glisser dans la maison pendant qu'on était en train de dormir. Les villageois avaient l'air d'avoir échangé de sombres regards. Mais lui a toujours trouvé l'air mauvais, avec Rognan au couteau. La guerre lui a fait un drôle d'effet, si vous voulez mon avis, avait ajouté le patron du pub. Je l'ai souvent dit que j'aimerais mieux ne jamais l'avoir contre moi, avait lancé une femme surexcitée, assise dans un coin. Un caractère épouvantable avait approuvé le dénommé Tot, en hochant vigoureusement la tête. Je me souviens quand il était petit.
commence un live, ils veulent aller pisser, ils veulent manger, ils veulent tout faire. Je leur propose ça avant à chaque fois, mais non. Évidemment. Alors, le lendemain matin, il n'y a quasiment plus personne à Little England pour douter que Frank Price est bien l'assassin des jeux du sort. Mais dans la ville voisine de Great Angleton, par le poste, dans le poste de police sombre et miteux, où il était interrogé, Frank répétait obstinément, inlassablement, qu'il était innocent et que la seule personne qu'il avait vue s'approcher de la maison le jour de la mort des jeux du sort était un jeune homme aux cheveux bruns, étranger au village. Qu'est-ce qui se passe, Pikachu? Personne d'autre n'avait vu ce garçon et la police était persuadée que Frank l'avait tout simplement inventé. Puis, au moment où la situation devenait vraiment grave pour Frank, les conclusions de l'autopsie pratiquée sur les cadavres des jeux du sort étaient arrivées et avaient tout bouleversé. La police n'avait jamais lu un rapport aussi étrange. Une équipe de médecins légistes... Visiblement, la pêche n'était pas très bonne. Bon courage pour la prochaine. La police n'avait jamais lu un rapport aussi étrange. Une équipe de médecins légistes avait examiné le corps et en avait conclu. Jeu du sort. Désolé. Ils sont partis se coucher. N'avait été ni empoisonné, ni poignardé, ni tué par une arme à feu, ni étranglé, ni étouffé. Apparemment, personne ne leur avait fait le moindre mal. Pour tout dire, concluait le rapport, sur un ton qui ne cherchait pas à dissimuler la stupéfaction de ses auteurs, les jeux du sort paraissaient en parfaite santé, en dehors du fait qu'ils étaient morts. Les médecins notaient toutefois, comme s'ils avaient voulu à tout prix trouver quelque chose d'anormal, que les jeux du sort avaient tous les trois le visage d'une expression de terreur. Mais, comme l'avaient fait remarquer les policiers, passablement contrariés, qui donc aurait jamais entendu dire qu'on puisse provoquer la mort simultanée de trois personnes en se contentant de leur faire peur? Comme il n'existait aucune preuve d'assassinat, la police avait dû relâcher Frank. On avait enterré les jeux du sort dans le cimetière de Little Angleton, derrière l'église, et leur tombe était restée pendant longtemps un objet de curiosité. À la grande surprise de tous, et dans une atmosphère de suspicion, Frank Price était retourné vivre dans sa maisonnette sur le domaine qui entourait la résidence des Jeux du Sort. Si vous voulez mon avis, c'est lui l'assassin, et je me fiche bien de ce que dit la police avait commenté Dot au peuple du pendu. Et s'il avait un peu de décence, il partirait d'ici. Il sait bien que tout le monde est au courant et que c'est lui qui les a tués. Mais Frank n'était pas parti. Il avait continué à s'occuper du jardin pour le compte de la famille qui avait racheté la maison des Jeux du Sort. Puis, pour la famille qui les avait succédés, car personne n'y restait bien longtemps. Peut-être était-ce en partie à cause de Frank que chaque nouveau propriétaire affirmait se sentir mal à l'aise dans cet endroit qui, en l'absence d'occupants, avait commencé à tomber en ruine. Le riche propriétaire qui possédait à présent la maison des Jeux du Sort n'y habitait pas et ne la destinait à aucun usage. Dans le village, on disait qu'il la gardait pour des raisons fiscales, mais si personne ne savait exactement ce que cela pouvait bien signifier. En tout cas, il continuait de payer Frank pour s'occuper du jardin. Frank approchait à présent de son 70e anniversaire. 77e, pardon, anniversaire. Il était sourd, et sa jambe était devenue plus raide que jamais. Pourtant, les jours de beau temps, le voyait encore s'affairer autour des massifs de fleurs, même si les mauvaises herbes commençaient à l'emporter sur lui. Et coucou, Eve. Bien, bonne nuit à toi. Merci beaucoup. Les mauvaises herbes n'étaient d'ailleurs pas le seul souci de Frank. Les enfants du village avaient pris pour habitude de jeter des pierres sur les carreaux de la maison des Jeux du Sort et roulaient à bicyclette sur les pelouses que Frank s'efforçait d'entretenir
avec tant de constance. Une ou deux fois, par défi, ils étaient même entrés dans la maison en forçant la porte. Ils savaient que le vieux Franck était très attaché au domaine et ils s'amusaient beaucoup à le voir traverser le jardin en boitant, un bâton à la main, hurlant contre eux de sa voix rauque. Franck, pour sa part, pensait que les enfants s'acharnaient ainsi contre lui parce que, comme leurs parents et leurs grands-parents, ils le prenaient également pour un assassin. Lorsque le vieil homme se réveilla une nuit du mois d'août et vit que quelque chose de très bizarre se passait dans la vieille maison, il crut simplement que les enfants avaient franchi un pas de plus dans leur tentative de le punir du crime qu'il lui attribuait. Ce fut la jambe raide de Franck qui le réveilla. Elle lui faisait de plus en plus mal dans ses vieux jours. Il se leva et descendit l'escalier en claudiquant, dans l'intention d'aller dans la cuisine remplir à nouveau sa bouillotte d'eau chaude pour soulager la douleur de son genou. Debout devant l'évier, il faisait couler l'eau dans la bouilloire, il leva les yeux vers la maison et vit une lumière scintiller derrière les plus hautes fenêtres. Franck devina tout de suite ce qui venait de se passer. Les enfants étaient à nouveau entrés dans la maison et, en jugé par cette lueur tremblotante, ils avaient allumé un. N'avait pas le téléphone, et d'ailleurs, il s'était toujours méfié de la police depuis qu'elle l'avait accusé de meurtre des chutes du sort. Il posa la bouilloire dans l'escalier aussi vite que lui permettait sa jambe raide, puis redescendit dans la cuisine après s'être habillé et avoir pris une vieille clé rouillée, tue un crochet près de la porte. Au passage, il saisit sa canne posée contre le mur et sortit dans la nuit. Ni la porte d'entrée de la maison, ni les fenêtres ne semblaient avoir été fracturées. Franck fit le tour par derrière et s'arrêta devant une porte presque entièrement dissimulée par le lierre. Il sortit alors sa vieille clé, la glissa dans la serrure et ouvrit la porte sans faire de bruit. Il pénétra dans la cuisine, aussi vaste qu'une caverne. Il y avait des années qu'il n'était plus entré. Pourtant, malgré l'obscurité qui y régnait, il se rappelait où se trouvait la porte donnant sur l'entrée et il s'avança à tâtons, dans une odeur de moisi, l'oreille tendue pour essayer de percevoir des bruits de pas et ou des voix au-dessus de sa tête. Il atteignit le vestibule, un peu moins sombre grâce aux grandes fenêtres à meneaux qui encadraient la porte d'entrée, et commença à monter l'escalier aux marches recouvertes d'une épaisse poussière qui étouffait le bruit de ses pas et de sa canne. Parvenu sur le palier, Franck tourna à droite et vit tout de suite où se trouvaient les intrus. Au bout du couloir, une porte était entrouverte et à la même lueur tremblotante brillait par l'entrepanier, projetant une longue traînée d'or sur le sol obscur. Ah oui, la chaleur, ça fait du bien. À petits pas, s'approcha en poignant sa canne. Lorsqu'il ne vut plus qu'à quelques dizaines de centimètres, il aperçut l'intérieur de la pièce dans l'espace que délimitait l'étroite ouverture de la porte. Il eut alors la confirmation de ce qu'il avait deviné. Quelqu'un avait allumé un feu dans la cheminée. Il s'immobilisa et écouta attentivement, car une voix lui parvenait de la pièce. Pas une voix d'homme, mais une voix d'homme qui semblait timide. Il en reste un peu dans la bouteille, si vous avez encore faim. Plus tard, dit une deuxième voix. C'était aussi une voix d'homme, mais elle était étrangement aiguë et froide comme un coup de vent glacé. Quelque chose dans cette voix fit se dresser quelques cheveux épars qui restaient sur la nuque de Franck. Rapproche-moi du feu, que de verre. Il y eut un tintement d'une bouteille composée sur une surface dure, puis le son sourd d'un gros fauteuil traîné sur le sol. Franck aperçut un petit bonhomme qui poussait le fauteuil en tournant le dos à la porte. Il portait une longue cape noire et avait le crâne un peu dégarni. Bientôt,
disparut à nouveau de son champ de vision. Wenkin demanda la glacée. Je ne sais pas, maître, répondit la première. D'un ton mal à l'aise. Je pense qu'il a dû partir explorer la maison. Il faudra le traire avant de se coucher, que de faire, reprit la deuxième voix. J'aurai besoin de me nourrir au cours de la nuit. Ce voyage m'a grandement fatigué. Le front plissé, Frank inclina sa bonne de la porte, essayant d'entendre le mieux possible ce qui se disait dans la pièce. Il eut un silence, puis l'homme qui l'appelait que de verre parla à nouveau. Maître, puis-je vous demander combien de temps nous allons rester ici ? Une semaine, répondit la voix glaciale, peut-être plus. Cet endroit offre un confort relatif, et il n'est pas encore temps de mettre le plan en action. Il serait stupide d'agir avant que la Coupe du Monde de Quidditch soit terminée. Frank enfonça dans son oreille un doigt noueux et le fit tourner à plusieurs reprises. C'était sans doute à cause d'un bougeon de cire qu'il avait entendu prononcer le mot Quidditch, qui ne voulait rien dire du tout. Là, la Coupe du Monde de Quidditch, maître, dit que de faire. Enfonça encore plus vigoureusement son doigt dans l'oreille. Pardonnez-moi, mais je ne comprends pas. Pourquoi faudrait-il qu'on attende que la Coupe du Monde soit terminée? Parce que, espèce d'idiot, c'est le moment où les sorciers du monde entier vont se précipiter dans le pays et où tous les fouineurs du ministère de la magie seront sur le qui-vive pour déceler le moindre signe d'activité anormale. Ils vont passer leur temps à contrôler et recontrôler toutes les identités. Ils seront obsédés par la sécurité, de peur que les moldus remarquent quoi que ce soit. Nous allons donc attendre. Frank renonça à déboucher son oreille. Il avait entendu distinctement les mots « ministère de la magie », « sorcier » et « moldu ». De toute évidence, chacun de ces termes possédait un sens secret. Et pour Frank, il n'y avait que deux sortes de gens qui avaient besoin d'un code pour parler entre eux, les espions et les criminels. Frank serra plus fort sa canne entre ses doigts et écouta avec plus d'attention que jamais. « Vous êtes donc toujours aussi décidé, maître ?» demanda Cudver d'une voix douce. « Je suis très décidé, sans nul doute, Cudver. » Il y avait à présent quelque chose de menaçant dans la voix glaciale. Un bref silence suivit, puis Cudver reprit la parole. Les mots s'échappant précipitamment de ses lèvres, comme s'il se forçait à dire tout ce qu'il avait en tête avant que ses nerfs ne le trahissent. Il serait possible de le faire sans Harry Potter, maître. Nouveau silence, plus prolongé, puis. Sans Harry Potter, dit la deuxième voix dans un souffle, vraiment. Maître, je ne dis pas cela par souci de protéger ce garçon, assura Cudver, sa voix montant dans les aigus, comme un grincement. Il ne représente rien pour moi, du tout, simplement. Si nous servions d'un autre sorcier ou d'un autre sorcière, n'importe quel sorcier, la chose pourrait être accomplie beaucoup plus vite. Si vous m'autorisez à vous laisser seul pendant un bref moment, vous savez que j'ai la faculté de déguisement très efficace. Je pourrais être de retour d'ici deux jours seulement avec la personne qui conviendrait. Je pourrais me servir d'un autre sorcier, dit doucement l'autre voix, c'est vrai. Ce serait judicieux, dit Cudver, qui semblait soudain profondément soulagé. Mettre la main sur Harry Potter présenterait de terribles difficultés. Il est si bien protégé. Et donc, tu te proposes d'aller me chercher un remplaçant. Je me demande, peut-être que la tâche de me soigner a fini par te lasser, Cudver. Cette suggestion de renoncer au plan prévu ne serait-elle pas une tentative de m'abandonner? Maître, je n'ai aucun désir de vous abandonner. Pas du tout. Ne me mens pas, siffla la deuxième voix. Je le sais toujours lorsque l'on me ment, que de faire. Tu regrettes d'être revenu auprès de moi. Je te dégoûte. Je te vois tressaillir chaque fois que tu me regardes. Je te sens frissonner quand tu me touches. Non, ma dévotion à votre excellence, ta dévotion, n'est rien d'autre que de la couardise. Tu ne te serais pas ici si tu avais un autre endroit où aller. Comment pourrais-je survivre sans toi ?
qu'il m'est impossible de rester plus de quelques heures sans nourriture. Qui va traire Nagini? Mais vous avez l'air d'avoir repris beaucoup de force, maître. Menteur, dit la deuxième voix dans un souffle. Je n'ai pas repris de force, et quelques jours de solitude suffiraient à me dépouiller de la maigre santé que j'ai retrouvée par tes soins maladroits. Silence. Cutver, qui avait commencé à balbutiner des paroles incohérentes, se tut aussitôt. Mais grave, lui, c'est vraiment un lèche-botte. Pendant quelques secondes, on n'entendit rien d'autre que le craquement du feu dans la cheminée. Le deuxième homme reprit alors la parole dans un murmure qui ressemblait presque à un sifflement. J'ai mes raisons pour vouloir me servir de ce garçon, comme je te l'ai déjà expliqué, et je ne me servirai d'une personne d'autre. J'ai attendu 13 ans, j'attendrai bien quelques mois de plus. Quant à la protection dont il bénéficie, je suis convaincu que mon plan parviendra à le neutraliser. Il suffit que tu fasses preuve d'un peu de courage, Cutver. Un courage que tu devras trouver toi. À moins que tu ne souhaites subir dans toute son ampleur la colère de Lord Voldemort. Maître, il faut que je vous parle, dit Cutver d'une voix qui trahissait à présent la panique. Tout au long de notre voyage, j'ai retourné ce plan dans ma tête. Maître, la disparition de Bertha Jorkins ne passera pas longtemps inaperçue. Et si nous continuons, si je jette un sort, si, murmura la deuxième voix, si tu suis le plan prévu, Cutver, le ministère ne saura jamais que quelqu'un d'autre a disparu. Tu le feras tranquillement, discrètement. Je voudrais pouvoir le faire moi-même, mais dans l'état où je me trouve, allons, Cutver. Encore un obstacle à supprimer, et le chemin qui mène à Harry Potter sera libre. Je ne te demande pas d'agir seul. Lorsque le moment sera venu, mon fidèle serviteur nous aura rejoints. Je suis un fidèle serviteur, dit Cutver, d'un ton où perçait un trait net désenchantement. Cutver, j'ai besoin de quelqu'un d'intelligent et de quelqu'un dont la loyauté n'a jamais faibli. Malheureusement, tu ne remplis aucune de ces deux conditions. J'ai réussi à découvrir votre retraite, répondit Cutver, la voix un peu boudeuse. Je suis celui qui vous a retrouvé, et c'est moi qui vous ai amené Bertha Jorkins. C'est vrai, admit l'autre d'un ton amusé. Une idée brillante que je n'aurais jamais attendue de toi, Cutver, mais en vérité, tu ne savais pas à quel point elle me serait utile lorsque tu l'as capturée, n'est-ce pas? Je pensais qu'elle pourrait vous servir, maître. Menteur, répéta la deuxième voix, avec un amusement de plus en plus cruel. Je reconnais cependant qu'elle nous a révélé quelque chose d'inestimable. Sans elle, je n'aurais jamais pu échafauder notre plan, et tu recevras ta récompense pour cela. Je vais te laisser le soin d'accomplir pour moi une tâche essentielle. Nombre de mes partisans seraient prêts à donner leur main droite pour se voir confier une telle mission. Vraiment, maître, qu'est-ce que... Cutver paraissait à nouveau terrifié. Allons, Cutver, tu ne voudrais pas que je gâche la surprise. Ton rôle viendra à la toute fin. Mais je te le promets, tu auras l'honneur de m'être aussi utile que Bertha Jorkins. Vous... La voix de Cutver était devenue brusquement rauque, comme s'il avait la gorge sèche. Vous allez me tuer aussi. Cutver, dit la voix glaciale, d'un ton doucereux. Pourquoi te tuerais-je? J'ai tué Bertha parce que j'y étais obligé. Elle ne pouvait plus servir à rien après avoir subi mon interrogatoire. Elle est devenue tout à fait inutile. De toute façon, on lui aurait posé des questions très embarrassantes, et elle était revenue au ministère en racontant qui elle avait rencontré pendant ses vacances. Les sorciers qui sont censés être morts devraient éviter de croiser des sorcières du ministère de la magie dans les auberges de campagne. Cutver marmonna quelque chose à voix si basse que Franck ne put l'entendre. Mais l'autre homme éclata de rire, un rire totalement dépourvu de joie, aussi froid que sa façon de parler.
Nous aurions pu modifier sa mémoire, mais les sortilèges d'amnésie peuvent très bien être rompus par un mage au pouvoir puissant, comme j'en ai donné la preuve lorsque je l'ai interrogé. Ce sera justement une insulte à sa mémoire de ne pas se servir de ce que j'ai réussi à lui arracher que de faire. Dans le couloir, Brooke se rendit soudain compte que la main qu'il tenait serrée sur sa canne était devenue moite. L'homme à la voix glaciale avait tué une femme. Il en parlait sans la moindre nuance de remords. Il en parlait avec amusement. C'était un homme dangereux, un fou. Et il préparait d'autres crimes. Ce garçon, Harry Potter, de qui s'agissait-il? Il n'en savait rien, était en danger. Frank savait ce qu'il devait faire. C'était le moment ou jamais d'aller prévenir la police. Il allait ressortir sans bruit de la maison et se précipiter vers la cabane téléphonique du village. Mais la voix glaciale reprit la parole, et Frank resta figé sur place, l'oreille tendue. Un autre sort à jeter, mon fidèle serviteur de Poudlard. Harry Potter sera entre mes mains, que de faire. C'est décidé. Il n'y aura plus de discussion. Mais chut, il me semble entendre Nagini. Et aussitôt, la voix de l'homme changea. Il se mit à faire des bruits que Frank n'avait encore jamais entendu. Il sifflait, crachait, sans reprendre son souffle. Frank pensait qu'il devait avoir une crise de quelque chose, une attaque peut-être. Puis, Frank entendit un bruit derrière lui, dans le couloir obscur. Lorsqu'il se retourna, il fut paralysé de terreur. Quelque chose ondulait sur le sol, quelque chose qui s'avançait peu à peu dans la faible lueur qui diffusait la porte entrebâillée. Frank vit alors avec épouvante qu'il s'agissait d'un gigantesque serpent d'au moins 3 mètres de long, horrifié, pétrifié. Il regarda d'un air hébété ce long corps ondoyant, dessiné dans l'épaisse poussière du sol, une large trace sinueuse après, à mesure qu'il approchait. Que fallait-il faire ? Aller se réfugier dans les pièces coûteuses hommes, tranquillement installés, sans doute des meurtres qu'il prévoyait de commettre. Pourtant, s'il restait là où il était, le serpent allait sûrement le tuer. Avant qu'il ait eu le temps de prendre une décision, le reptile était arrivé à sa hauteur. Incrédule, il le vit alors passer devant lui sans le toucher. Un véritable miracle. Le serpent se laissait guider par les sifflements et les crachotements que produisait la voix glaciale à l'intérieur de la pièce. Et en quelques secondes, le bout de sa queue aux écailles en losange disparut par la porte entrouverte. Frank avait maintenant le front aussi moite que sa main, qui tremblait en serrant sa canne. Dans la pièce, la voix continuait de siffler, et Frank eut soudain une étrange pensée, une pensée absurde. Avait la faculté de parler au serpent. Brooke ne comprenait pas ce qu'il se passait. Il ne souhaitait plus qu'une seule chose à présent, retourner dans son lit avec sa bouillotte d'eau chaude. Mais ses jambes ne semblaient pas décidées à bouger. Tandis qu'il restait là à trembler, en essayant de reprendre ses esprits, la glaciale recommença à parler normalement. Nagini a des nouvelles intéressantes à nous apprendre. Que de faire ? Palpitina que de verre. Vraiment oui, reprit la voix. Alors, il y a derrière la porte un vieux moldu qui écoute tout ce que nous disons. Frank n'avait aucune possibilité de se cacher. Des bruits de pas retentirent et la porte s'ouvrit brusquement. Un petit homme au front dégarni, les cheveux grisonnants, se tenait devant lui. Son visage exprimait une inquiétude mêlée de terreur. Invite-le donc, Cutver. As-tu oublié les bonnes manières ? La voix glaciale s'élevait du vieux fauteuil près de la cheminée. Mais Frank ne parvenait pas à voir l'homme qui parlait. Le serpent était devant l'âtre, lové sur le tapis mangé au mythe, comme une horrible caricature de chien. Cutver fit signe à Frank d'entrer dans la pièce. Bien qu'il ne fût pas encore remis du choc, Frank se crampa sa canne et franchit la porte.
porte de son bas claudiquant. Les flammes de la cheminée constituaient la seule source de lumière, projetant sur les murs des ombres qui s'étiraient comme des toiles d'araignée. Franck fixa du regard le dos du fauteuil. L'homme qui y était assis devait être encore plus petit que son serviteur, car on ne voyait même pas le sommet de sa tête dépasser du dossier. « Tu as tout entendu, Moldu ?» demanda la voix glaciale. « Comment même ?» lança Franck sur un ton de défi, car maintenant qu'il était dans la pièce, maintenant que le moment était venu d'agir, il se sentait plus courageux, comme lorsqu'il avait fait la guerre. « Je t'ai appelé Moldu, » répondit tranquillement la voix. « Cela signifie que tu n'es pas un sorcier. » « J'ignore ce que vous entendez par sorcier, » répliqua Franck, la voix de plus en plus ferme. « Tout ce que je sais, c'est que j'en ai suffisamment entendu ce soir pour intéresser la police, croyez-moi. Vous avez commis un meurtre, et vous avez l'intention d'en commettre un autre. Et je vais vous dire une chose, » ajouta-t-il, sous l'effet d'une soudaine inspiration. « Ma femme sait que je suis ici, et si je ne reviens pas... »« Tu n'as pas de femme, » dit la voix glaciale, d'un ton parfaitement calme. « Personne ne sait que tu es ici. Tu n'as dit à personne où tu allais. Ne mens pas à Lord Voldemort, Moldu, car il sait toujours tout. »« Voyez-vous ça, » répliqua Franck d'un ton abrupt. « Un lord, vraiment. Eh bien, permettez-moi de vous dire que vos manières laissent à désirer, my lord. » Pourriez-vous au moins vous tourner et me regarder en face comme un homme? Vous ne croyez pas? Justement, je ne suis pas un homme, Moldu, répondit la voix glaciale, qui parvenait à dominer le crépitement du feu. Je suis beaucoup, beaucoup plus qu'un homme. Mais finalement, pourquoi pas? Je vais te regarder en face. Que te faire? Viens tourner mon fauteuil. Le serviteur laissa échapper un gémissement. Tu m'as entendu, que te faire? Lentement, les traits de son visage contrarient, comme s'il aurait préféré entre quoi d'autre que d'approcher son maître et le serpent levé sur le tapis. Le petit homme s'avança et entreprit de tourner le fauteuil. Le reptile leva son horrible tête triangulaire et émit un léger sifflement lorsque les pieds du fauteuil se prirent dans son tapis. Enfin, Franck se retrouva face au fauteuil et vit ce qui y était assis. Sa canne lui glissa alors des doigts et tomba par terre avec un bruit sec. La bouche grande ouverte, il laissa échapper un long hurlement. Il cria si fort qu'il n'entendit jamais les mots que la chose assise dans le fauteuil prononçait en brandissant une baguette magique. Il y eut un éclair de lumière verte, un souffle semblable à un brusque coup de vent. Puis Franck Price s'effondra. Il était mort avant d'avoir heurté le sol. À 300 km de là, le garçon qui s'appelait Harry Potter se réveilla en sursaut. Premier chapitre terminé. Ça commence fort. Oui, Franck est mort du coup. Harry, pas Franck. De mémoire, c'est le premier bouquin où on commence pas avec Harry. Commence avec un tout autre personnage qui meurt très vite, hein, du coup. Mais j'ai bien aimé cette approche parce que on passe avec un Moldu, en fait, c'est plutôt cool pour. J'aime bien. Allez, let's go pour la suite. Ouais, je vais boire un petit coup. T'as raison. Il se redressa sur son lit, une main toujours plaquée sur son front, l'autre.
Ensuite, rechercher à tâtons ses lunettes posées sur la table de chevet. Après les avoir mises sur son nez, le décor de sa chambre lui apparut plus nettement, dans la faible lueur orangée projetée à travers les rideaux par le réverbère qui éclairait la rue. Harry caressa à nouveau sa cicatrice. Elle était encore plus douloureuse. Il alluma la lampe à côté de son lit, s'arracha de ses couvertures, traversa la chambre, ouvrit son armoire et regarda dans la glace fixée à l'intérieur de la porte. Il fit face à un garçon de 14 ans, très maigre, avec des yeux verts et brillants, qui l'observait d'un air perplexe sous ses cheveux noirs en bataille. Il examina de plus près la cicatrice en forme d'éclair que présentait son reflet. Elle paraissait normale, mais elle était encore brûlante. Harry essaya de se rappeler le rêve qu'il venait de faire. Il lui avait semblé si réel, et il y avait deux hommes qu'il connaissait, et une autre qu'il n'avait jamais vue. Il se concentra, les sourcils froncés, essayant de rassembler ses souvenirs. L'image d'une pièce plongée dans la pénombre lui revient en mémoire. Il y avait un serpent sur un tapis, devant une cheminée. Un petit homme qui s'appelait Peter et qu'on surnommait Cutver. Et puis une voix froide, aiguë, la voix de Lord Voldemort. À cette pensée, Harry eut soudain l'impression qu'un cube de glace lui descendait dans l'estomac. Il ferma étroitement les paupières et s'efforça de se rappeler quelle apparence avait Voldemort, mais il n'y parvint pas. La seule chose certaine, c'était qu'au moment où le fauteuil de le Voldemort avait pivoté et que Harry avait vu ce qui était assis, il avait été secoué d'un spasme d'horreur qui l'avait réveillé en sursaut. Ah, nickel pour Mamita, je suis content. Tant mieux, ça marche bien, elle est contente. Les jeux Facebook et tout, ça marche bien, nickel. Et qui était donc ce vieil homme? Car il y avait un vieil homme présent dans son rêve. Harry l'avait vu s'effondrer sur le sol. Tout devenait confus dans son esprit. Il plongea son visage dans ses mains, effaçant la vision de sa chambre, essayant de se concentrer sur l'image de cette pièce faiblement éclairée. Mais c'était comme s'il avait essayé de retenir de l'eau entre ses doigts. Les détails lui échappaient à mesure qu'il essayait de les saisir. Voldemort et Cutver avaient parlé de quelqu'un qu'ils avaient tué, mais Harry ne parvenait pas à se souvenir du nom de la victime. Et ils avaient projeté de tuer quelqu'un d'autre, lui. Harry releva la tête, ouvrit les yeux et jeta un regard autour de sa chambre comme s'il s'attendait à y découvrir quelque chose d'inhabituel. En fait, il y avait beaucoup de choses inhabituelles dans cette pièce. Une grosse valise en forme de mâle était ouverte au pied du lit, laissant voir un chaudron, un balai, des robes de sorcier noires et des livres de magie. Des rouleaux de parchemin s'entassaient dans une partie de son bureau, au côté de la grande cage vide dans laquelle Hedwig, sa chouette au plumage blanc comme la neige, était habituellement perchée. Sur le plancher, à côté de son lit, le livre qu'il avait lu la veille, avant de tomber endormi, était encore ouvert. Les photos qui illustraient ces pages ne cessaient de bouger. Sur chacune d'elles, des hommes vêtus de robes orange vives filaient d'un bout à l'autre du cadre sur des balais volants, en se jetant une balle rouge. Super réponse. Bah non, me fais pas cramer quand même. Harry ramassa le livre et regarda un des sorciers marquer un but particulièrement spectaculaire en lançant la balle à travers un cercle situé à une quinzaine de mètres au-dessus du sol. Puis, il referma le volume d'un geste sec. Même le Quidditch, qui était à ses yeux le plus beau sport du monde, n'aurait pu le distraire de cet instant. Il posa en vol avec les canons sur sa table de chevet, traversa la pièce en direction de la fenêtre et écarta les rideaux pour regarder dans la rue. Privet Drive avait exactement l'apparence qu'on peut attendre d'une petite rue de banlieue résidentielle. Aux premières heures d'un dimanche matin, tous les rideaux
l'obscurité, il n'y avait pas le moindre être vivant en vue, pas même un chat. Oui, le pote qui veut ma mort. Et pourtant, incapable de tenir en place, Harry revint s'asseoir sur son lit et caressa à nouveau sa cicatrice. Ce n'était pas la douleur qui le tracassait. La douleur et les blessures ne lui étaient pas étrangères. Un jour, il avait perdu tous les os de son bras droit et avait dû passer une longue nuit de souffrance à attendre qu'il repousse sous les frais d'un traitement spécial. Le même bras avait été transpercé peu après par l'énorme crochet venimeux d'un monstrueux serpent. L'année précédente, il avait fait une chute de 15 mètres en tombant d'un balai en plein vol. Il avait l'habitude des accidents et des blessures bizarres. Il fallait s'y attendre lorsqu'on était élève à l'école de sorcellerie de Poudlard et qu'on avait un ton indiscutable pour s'attirer toutes sortes d'ennuis. Non, ce qui tracassait Harry, c'était que, la dernière fois qu'il avait eu mal à sa cicatrice, Voldemort se trouvait à proximité. Pourtant, Voldemort ne pouvait être ici en ce moment. La pensée que Voldemort se cache dans Privet Drive était absurde, impossible. Harry écouta attentivement le silence qui régnait autour de lui. S'attendait-il plus ou moins à entendre une marche craquer ou une cape frôler le sol? Il eut un léger sursaut lorsque son cousin Dudley poussa un ronflement sonore dans la chambre voisine. Harry décida de se secouer un peu, mentalement, tout du moins. Il était stupide, en dehors de lui, il n'y avait personne d'autre dans cette maison que l'oncle Vernon, la tante Pétunia et Dudley, et de toute évidence, tous trois dormaient encore, plongés dans des rêveries paisibles et sans douleur. C'était quand ils dormaient que Harry aimait le mieux les Dursley. Lorsqu'il s'était réveillé, il ne lui était jamais d'aucun secours. L'oncle Vernon et la tante Pétunia et Dudley étaient les seuls membres de sa famille encore vivants. C'étaient des moldus, des gens dépourvus de pouvoir magique, qui détestaient et méprisaient la magie sous toutes ses formes, ce qui signifiait que Harry était à peu près aussi le bienvenu sous leur toit qu'une colonie de termites. Au cours des trois dernières années, ils avaient justifié les longues absences de Harry lorsqu'il se trouvait au collège Poudlard en racontant à tout le monde qu'il était en pension au centre d'éducation de jeunes délinquants récidivistes de Saint-Brutus. Ils savaient parfaitement que, étant sorcier de premier cycle, Harry n'avait pas le droit de faire usage de la magie en dehors de Poudlard. Mais il ne manquait pas pour autant de rejeter sur lui la responsabilité de tout ce qui n'allait pas dans la maison. Harry n'avait jamais pu se confier à eux, ni leur raconter quoi que ce soit de sa vie dans le monde des sorciers. La seule pensée d'aller voir son oncle et sa tante pour leur parler de sa cicatrice douloureuse et de ses inquiétudes concernant Voldemort était risible. Pourtant, c'était à cause de Voldemort que Harry avait été obligé d'aller vivre chez les Dursley. Sans Voldemort, il n'aurait pas eu de cicatrice en forme d'éclair. Sans Voldemort, il aurait encore ses parents. Harry avait un nom le soir où Voldemort, le puissant mage noir du siècle, un sorcier qui, pendant 11 ans, avait vu son pouvoir s'accroître régulièrement, était arrivé dans la maison de ses parents et avait tué son père et sa mère. Voldemort avait ensuite tourné sa baguette magique vers Harry et lui avait lancé un sort auquel de nombreux sorciers et sorcières d'armes d'âge mûr avaient succombé au cours de son ascension vers le pouvoir suprême. Mais si incroyable que cela puisse paraître, le sortilège n'avait pas eu l'effet escompté. Au lieu de tuer le petit garçon, il avait ricoché et frappé Voldemort lui-même. Harry avait survécu sans autre blessure qu'une entraille en forme d'éclair sur le front, tandis que Voldemort, lui, avait été réduit à quelque chose d'à peine vivant. Ses pouvoirs anéantis, sa vie quasiment éteinte, le mage maléfique s'était enfui. La terreur dans laquelle la communauté secrète des sorcières et sorciers avait vécu pendant si longtemps n'avait plus de raison d'être. Les partisans de Voldemort s'étaient dispersés et Harry Potter était devenu célèbre.
Harry avait reçu un grand choc en découvrant qu'il était un sorcier le jour de son 11e anniversaire. Il avait été encore plus déconcerté en s'apercevant que son nom était connu de tout le monde caché de la sorcellerie. À son arrivée à Poudlard, il s'était rendu compte que les têtes se tournaient sur son passage et que des chuchotements le suivaient partout où il allait. Mais à présent, il y était habitué. À la fin de cet été, il entamait sa 4e année d'études à Poudlard et il comptait déjà les jours qui le séparaient de son retour dans le vieux château. Il restait 2 semaines à passer avant la rentrée scolaire. Harry jeta un nouveau regard autour de lui et ses yeux se posèrent sur les cartes d'anniversaire que ses 2 meilleurs amis lui avaient envoyées à la fin du mois de juillet. Que dirait-il s'il leur écrivait pour leur raconter que sa cicatrice lui faisait mal? Il lui sembla aussitôt entendre la voix perçante d'Hermione Granger, saisie de panique. « Ta cicatrice te fait mal. Harry, c'est très grave. Écris tout de suite au professeur Dumbledore. Moi, je vais consulter le traité des indispositions et affections magiques les plus communes. Il y a peut-être quelque chose sur les cicatrices dues au sortilège. » Oui, tel serait le conseil d'Hermione, s'adresser au directeur de Poudlard en personne et en attendant, consulter un livre. Harry contempla par la fenêtre le ciel d'un noir bleuté, comme de l'encre. Il doutait fort qu'un livre puisse lui être d'aucun secours en cet instant. À sa connaissance, il était la seule personne encore vivante qui avait jamais résisté à un sortilège aussi puissant que celui lancé par Voldemort. Il était donc hautement improbable qu'il trouve la description de ses symptômes dans Indisposition et Affections magiques les plus communes. Quant au directeur du collège, Harry n'avait aucune idée de l'endroit où il passait ses vacances d'été. Il s'amusa un instant à imaginer Dumbledore avec sa grande barbe argentée, sa longue robe de sorcier et son chapeau pointu, allongé sur une plage, enduisant son long nez aquilin de crème solaire. Pourtant, quel que soit l'endroit où était parti Dumbledore, Harry était sûr qu'Edwidge serait capable de le retrouver. Sa chouette découvrait toujours la destination d'une lettre, même sans adresse. Mais que pouvait-il lui écrire ? « Cher professeur Dumbledore, je suis désolé de vous importuner, mais ma cicatrice m'a fait mal ce matin. Avec mes salutations respectueuses, Harry Potter. » Ces mots lui paraissaient stupides avant même de les avoir écrits. Il essaya alors d'imaginer la réaction de son autre meilleur ami, Ron Weasley. Et presque aussitôt, le long nez et le visage constellé de taches de rousseur de Ron, avec son air songeur, apparurent devant ses yeux. Ta cicatrice te fait mal, mais tu sais qu'il ne peut pas être à proximité, n'est-ce pas? Tu le saurais, non? S'il essayait encore une fois de te tuer, tu ne crois pas? Je ne sais pas, Harry. Peut-être que la cicatrice due à un mauvais sort font toujours un peu mal. Je vais demander à papa. Monsieur Weasley était un sorcier hautement qualifié, qui travaillait au service des détournements de l'artisanat moldu du ministère de la magie, mais n'avait pas de compétences particulières en matière de mauvais sort, ce que Harry savait. En tout cas, Harry n'avait pas envie que toute la famille Weasley sache qu'une brève douleur au fond suffisait à le rendre aussi anxieux. Madame Weasley serait encore plus inquiète qu'Hermione, et Fred et George, les frères de Ron, les jumeaux de 16 ans, penserait peut-être que Harry avait les nerfs fragiles. Les Weasley étaient la famille préférée de Harry. Il espérait qu'il allait bientôt l'inviter à passer quelque temps chez eux. Ron en avait parlé de la Coupe du Monde de Quidditch, mais il ne voulait pas que son séjour soit ponctué de questions angoissées sur l'état de sa cicatrice. Harry pressa ses poings contre son front. Ce qu'il voulait, il en avait presque honte de l'avouer. C'était parler à un parent. Un sorcier adulte à qui il pourrait demander conseil sans se sentir idiot. Quelqu'un qui chercherait vraiment à l'aider et qui aurait déjà eu de l'expérience de la magie noire. La solution lui vint alors à l'esprit. Elle était si simple, si évidente, qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait mis si longtemps à la trouver. Sirius. Harry sauta de son lit et courut s'asseoir à son bureau. Et il prit un morceau de parchemin, trempa sa plume d'aigle dans l'encre et écrivit « Cher Sirius », puis s'arrêta.
cherchant la meilleure façon d'exposer la situation. Il était encore stupéfait de n'avoir pas pensé tout de suite à lui écrire. Mais après tout, peut-être n'est-ce pas si surprenant. 2 mois à peine s'étaient écoulés depuis qu'il avait appris que Sirius était son parrain. Il y avait une raison à l'absence totale de Sirius dans la vie de Harry depuis cette date. Sirius était détenu à Azkaban, la terrifiante prison des sorciers, gardée par des créatures qu'on appelait des détraqueurs, sorte de démons sans yeux, capables d'aspirer l'âme des vivants, et qui étaient venus à Poudlard pour chercher Sirius après son évasion. Pourtant, Sirius était innocent. Les meurtres dont on l'avait accusé avaient été commis par Queue de Verre, un fidèle de Voldemort que presque tout le monde croyait mort à présent. Harry, Ron et Hermione savaient que ce n'était pas vrai. Ils s'étaient retrouvés face à lui l'année précédente, mais le professeur Dumbledore allait leur croire. Pendant une heure qui avait été l'une des plus belles de sa vie, Harry avait cru qu'il allait enfin quitter les Dursley, car Sirius lui avait proposé de l'accueillir sous son toit une fois que son nom aurait été réhabilité. Mais cette chance s'était soudain envolée. Queue de Verre était parvenu à prendre la fuite avant qu'ils aient eu le temps de l'emmener au ministère de la magie, et Sirius avait dû s'évader à nouveau pour empêcher la mort, pour échapper à la mort. Harry l'avait aidé à s'enfuir sur le dos de l'hippogriffe du nom de Buck. Depuis lors, Sirius se cachait. La pensée qu'il avait dû vivre dans une autre maison, si Queue de Verre n'avait pas réussi à disparaître, l'avait hanté tout l'été. Retourner chez les Dursley s'était révélé d'autant plus difficile qu'il avait failli en être débarrassé à tout jamais. Malgré tout, Sirius avait été un certain secours à Harry, même s'il avait dû renoncer à vivre sous le même toit que lui. C'était grâce à lui que Harry avait maintenant le droit de conserver dans sa chambre tout son matériel scolaire. Auparavant, les Dursley ne lui avaient jamais donné l'autorisation. Leur volonté de cacher la vie de Harry, associée à leur crainte des pouvoirs magiques, les avait amenés jusqu'alors à enfermer chaque été dans le placard situé sous l'escalier, la grosse valise qui contenait ses affaires d'école. Mais leur attitude était très différente depuis qu'ils avaient découvert l'existence de son parrain, qu'on présentait comme un criminel dangereux. Par commodité, Harry ne leur avait pas dit que Sirius était innocent. Harry avait reçu 2 lettres de lui depuis son retour à Privet Drive. Tous deux avaient été apportés, non pas par des hiboux, comme il était habituel chez les sorciers, mais par de grands oiseaux tropicaux aux couleurs étincelantes. Hedwige n'avait guère approuvé l'arrivée de ces intrus au plumage tabageux. Elle ne les avait autorisés qu'avec réticence à boire un peu de son eau avant de reprendre leur vol. Harry, lui, les aimait bien. Ils évoquaient à ses yeux des plages de sable blanc plantées de palmiers, et il espérait que Sirius, quel que soit l'endroit où il se trouvait, il ne le précisait jamais de peur que ses lettres soient interceptées, menait la belle vie. Harry avait du mal à imaginer des détraqueurs puissent survivre longtemps sous un soleil radieux. C'était peut-être que ça, pour ça, que Sirius était parti vers le sud. Ses lettres, cachées sous la lampe, sur la lame du parquet branlante que dissimulait son lit et qui était décidément bien utile, avait un ton joyeux. Sirius rappelait à Harry qu'il pouvait toujours faire appel à lui s'il en avait besoin. Or, justement, aujourd'hui, il en avait besoin. La lampe de Harry semblait peu à peu perdre de son éclat à mesure que la lumière grise et froide qui pénétrait l'aube se répandait dans sa chambre. Enfin, lorsque le soleil se fut levé, teintant d'une lueur dorée les murs de la pièce, et qu'il entendit l'oncle Vernon et la tante Pétunia bouger dans leur chambre, Harry débarrassa son bureau des morceaux de parchemin froissé qu'il encombrait et relut la lettre qu'il avait terminée. « Cher Sirius, merci pour ta dernière lettre. Cet oiseau était énorme, il a eu du mal à se glisser à travers ma fenêtre. Ici, c'est comme d'habitude. » Le régime de Dudley se passe assez mal. Hier, ma tante l'a surpris en train d'emporter en douce des beignets dans sa chambre. Ses parents lui ont dit qu'ils allaient lui supprimer son argent de poche s'il continuait comme ça,
il s'est mis tellement en colère qu'il avait jeté sa PlayStation par la fenêtre. Il s'agit d'une sorte d'ordinateur pour jouer à des jeux électroniques. C'était plutôt bête de sa part. Maintenant, il ne peut même plus jouer à Mega Mutilation 3 pour se changer les idées. Pour moi, les choses vont bien. Surtout parce que les Dursley sont terrifiés à l'idée que tu puisses revenir les transformer en chauves-souris si je te le demande. Il s'est quand même passé quelque chose de bizarre ce matin. Ma cicatrice a recommencé à me faire mal. La dernière fois que ça s'est produit, c'était parce que Voldemort était à Poudlard. Mais je ne pense pas qu'il puisse se trouver près de chez moi en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu sais si les cicatrices provoquées par un mauvais sort peuvent encore faire mal des années plus tard? J'enverrai Edwidge te porter cette lettre quand elle reviendra. Elle est partie chasser pour le moment. Dis bonjour à Buck de ma part. Si la PlayStation et l'acheter. Oui, pensa Harry. Elle était très bien, cette lettre. Inutile de parler du rêve, il ne voulait pas paraître trop inquiet. Il plia le parchemin et le posa sur son bureau pour le donner à Edwidge dès qu'elle rentrerait. Puis il se leva, s'étira et retourna devant son armoire. Sans jeter un coup d'œil à son reflet, il commença alors à s'habiller pour aller prendre son petit déjeuner. Et voilà, chapitre 2 terminé. Bon, c'est plutôt rapide, hein, ce petit début. Je pense pas qu'on arrivera à Poudlard. Bah non. Oui. On n'arrivera pas à Poudlard. Peut-être là, peut-être dimanche. Parce que là, il va y avoir la Coupe du Monde de Quidditch. Mais pareil, on la lira pas aujourd'hui. Là, je crois qu'on va aller chez Ron. C'est honteux, peut-être, mais par contre, ça va être trop bien parce que, en gros, dans le film, du coup, j'ai pu en même temps Pikachu. Dans le film, ils se rendent à la Coupe du Monde de Quidditch, mais on ne voit pas la Coupe du Monde de Quidditch. Tandis que là, on la vit, la Coupe du Monde de Quidditch, et ça, c'est trop cool. Voilà. Et c'est trop bien. Donc, c'est plutôt. Ça va être intéressant. Surtout qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Découvrir plus tard des personnages qui ont été coupés dans le film, qui apparaissent dans les bouquins, donc ça va être cool. Chapitre 3, l'invitation. Lorsque Harry arriva dans la cuisine, les trois Dursley étaient déjà assis autour de la table. Personne ne leva les yeux quand il entra et s'assit à son tour. Les gros visages violacés de l'oncle Vernon étaient cachés derrière le Daily Mail et la tante Petunia était occupé à couper un pamplemousse en quatre, les lèvres retroussées sur ses dents de cheval. Dudley avait un air furieux, boudeur, et semblait prendre encore plus de place qu'à l'ordinaire. Ce qui n'était pas peu dire, car en temps normal, il occupait déjà à lui tout seul, tout un côté de la table. Lorsque la tante Pétunia posa un quart de pamplemousse sans sucre dans son assiette, en disant d'une voix tremblante « Tiens, mon petit Dudley chéri, Dudley lui lança un regard noir. Sa vie avait pris un tournant passablement désagréable depuis qu'il avait rapporté son bulletin à la fin de l'année scolaire. Comme d'habitude, l'oncle Vernon et la tante Petunia avaient réussi à lui trouver toutes sortes d'excuses pour justifier ses mauvaises notes. La tante Petunia répétait que Dudley était un garçon très doué, incompris par ses bonnes sœurs, tandis que l'oncle Vernon affirmait que, de toute façon, il ne voulait pas pour son fils l'un de ses promis de la classe avec des manières de fillette. Il s'avait également glissé sur les accusations de brutalité qui figuraient sur son bulletin. C'est un garçon turbulent, mais il ne ferait pas de mal à une mouche, avait-il à tante Pétunia les larmes aux yeux. À la dernière page du bulletin, cependant, l'infirmière de l'école avait ajouté quelques commentaires bien sentis que ni l'oncle Vernon la tante Pétunia ne pouvait pas balayer d'une de leurs explications simplistes. La tante Pétunia avait se lamenté que Dudley avait les os épais, que ses kilos n'étaient que dus à son jeune âge et que c'était un garçon en pleine croissance qui avait besoin de manger beaucoup. Il n'en restait pas que l'école avait du mal à trouver des pantalons d'uniforme suffisamment grands pour lui. L'infirmière avait vu que les
garçon d'habitude posait les traces de doigts sur les murs étincelants ou pour observer les allées et venues de ses voisins, avait refusé d'accepter que, loin d'avoir besoin de manger davantage, Dudley avait atteint, à peu de choses près, la taille et le poids d'un jeune cachalot. Aussi, après d'innombrables crises de colère, des disputes qui faisaient trembler le plancher de la chambre de Harry et des flots de larmes versés par la tante Pétunia, un nouveau régime avait commencé pour Dudley. Les conseils diététiques envoyés par l'infirmière de l'école avaient été affichés sur la porte du réfrigérateur. Après qu'il eût été vidé des aliments préférés de Dudley, soda sucré, gâteau, barre de chocolat, hamburger, et rempli de fruits, de légumes et de toutes sortes de choses que l'oncle Vernon appelait de la nourriture pour la main. Afin d'atténuer les souffrances de son fils, la tante Pétunia avait obligé toute la famille à suivre le même régime. Elle donna à Harry un quart de pamplemousse, et il remarqua que sa part était beaucoup plus petite que celle de Dudley. Bah, c'est de l'ASMR en fait, je peux pas parler plus fort, mais tu peux monter le son si tu veux. Elle donna à Harry un quart de pamplemousse et il remarqua que sa part était beaucoup plus petite que celle de Dudley. La tante Pétunia sembla penser que le meilleur moyen de soutenir le moral de Dudley, c'était de s'assurer qu'il ait toujours davantage à manger que Harry. Mais la tante Pétunia ignorait ce qui était caché sous la lame de parquet du premier étage. Elle ne se doutait pas que Harry ne suivait pas du tout le régime. Dès qu'il avait su qu'on passerait à lui faire l'été en le nourrissant exclusivement de carottes crues, Harry avait envoyé Edwidge porter à ses amis des appels au secours, et ils s'étaient tous montés à la hauteur de la situation. Edwidge avait rapporté de chez Hermione une grande boîte remplie d'aliments sans sucre. Ses parents étaient dentistes. Hagrid, le garde-chasse de Poudlard, lui avait fait parvenir un sac plein de biscuits durs comme la pierre, qu'il préparait lui-même. Harry n'y avait pas touché, il avait suffisamment eu l'occasion d'expérimenter sa cuisine. Non mais t'inquiète Pikachu, y a pas de souci, pas d'agressivité s'il te plaît, t'inquiète. Bah oui, c'est Stream Avatar. C'est pour ça. Madame Weasley, en revanche, lui avait envoyé Errol, le hibou de la famille, chargé d'énormes cakes et de diverses sortes de pâtés. Vieux et fragile, le malheureux Errol avait dû se reposer 5 jours entiers pour se remettre du voyage. Puis, le jour de son anniversaire, que les Dursley avaient complètement ignoré, Harry avait reçu 4 magnifiques cadeaux envoyés respectivement par Ron, Hermione, Hagrid et Sirius. Il en restait encore 2, aussi, sachant que quelques petits déjeuners dignes de ce nom l'attendaient sous sa lame de parquet. Il mangea son pamplemousse sans protester. Sur la table et regarda avec curiosité en direction de l'entrée pour voir
ce que faisait son mari. Elle n'eut pas à attendre longtemps pour le savoir. Une minute plus tard, il était de retour, le teint livide. « Toi !» aboya-t-il en s'adressant à Harry, dans le salon, tout de suite. Déconcerté, se demandant de quoi on pouvait bien l'accuser cette fois-ci, Harry se leva et suivit dans la pièce voisine l'oncle Vernon qui refermait brusquement la porte sur eux. Il se dirigea vers la cheminée, puis se tourna face à Harry comme s'il apprêtait à lui annoncer qu'il était en état d'arrestation. Alors, dit-il, alors ? Harry aurait été ravi de répondre. Alors quoi ? Mais il préférait ne pas provoquer l'oncle Vernon à une heure aussi matinale, surtout lorsqu'un régime strict mettait ses nerfs à si rude épreuve. Il lui parut alors plus sage d'afficher un étonnement poli. Voici ce qui vient d'arriver, dit l'oncle Vernon en brandissant une feuille de papier violette. Une lettre à ton sujet. Harry sentit s'accroître son malaise. Qui donc pouvait bien écrire à l'oncle Vernon à son sujet ? Qui donc, parmi les gens qu'il connaissait, aurait l'idée d'envoyer une lettre par la poste ? L'oncle Vernon lança un regard furieux à Harry, puis lut la lettre à haute voix. « Cher monsieur et madame Dursley, nous n'avons jamais eu le plaisir de faire votre connaissance, mais je suis sûr que Harry vous a beaucoup parlé de mon fils Ron. » Comme Harry vous l'a peut-être déjà dit, la finale de la Coupe du Monde de Quidditch aura lieu lundi prochain et mon mari, Arthur, a réussi à obtenir d'excellentes places avec ses relations au département des jeux et sports magiques. J'espère vivement que vous voudrez bien nous permettre d'emmener Harry voir ce match car il s'agit d'une occasion unique qui n'a lieu qu'une fois dans la vie. En effet, la Grande-Bretagne n'avait pas accueilli la Coupe du Monde depuis 30 ans et les billets sont extrêmement difficiles à obtenir. Bien entendu, nous serions très heureux de prendre Harry chez nous pour le reste des vacances d'été et de l'accompagner en train qui doit l'amener au collège. Il serait préférable pour Harry que vous nous adressiez votre réponse le plus vite possible par la voie normale, car le facteur Moldu n'a jamais apporté de courrier chez nous et je ne suis même pas sûr qu'il sache où se trouve notre maison. En espérant voir Harry très bientôt, je vous prie d'agréer mes sentiments distingués. Molly Weasley. PS. J'espère que nous avons mis assez de timbres. Alors. Et bonsoir, bienvenue. L'oncle acheva sa lecture, plongea la main dans la poche, tira autre chose. Bonne Pikachu. Non, ça va, j'ai 3 jours de repos là, ça va. It's ok. Regarde ça, grogna-t-il. Il montra l'enveloppe dans laquelle la lettre de Madame Weasley était arrivée, et Harry dut réprimer un éclat de rire. Elle était entièrement recouverte de timbres, à part un carré de 2 ou 3 cm, de côté sur lequel Madame Weasley avait réussi à faire tenir l'adresse des Dursley. Ouais, non, du coup, j'ai les lives ASMR, ils sont prévus, c'est le mardi et le dimanche. Et le mercredi et le jeudi soir, je stream des jeux. Voilà. Bah du coup, si vous voulez, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez le planning. Comme ça, vous aurez tout. Alors, mercredi, on commence... Merde. Mercredi, on commence Mars Pilami. Celui-là. On commence celui-là mercredi. Pas demain, en fait. Et jeudi, on continue à Naruto Storm 2. C'est ce que je stream en ce moment. Je sais pas où j'étais rendu. Ah oui, finalement, elle a mis ses deux timbres, dit Harry, comme s'il s'agissait d'une simple erreur que n'importe qui aurait pu commettre. Ouais, c'est pas mal, on s'amuse bien. Le regard de l'oncle Vernon flamboya. Le facteur l'a remarqué, lança-t-il entre ses dents serrées. Il était très intrigué par la provenance de cette lettre. Tu peux me croire. C'est pour ça qu'il a sonné à la porte. Il a l'air de trouver ça drôle. Ouais, j'ai droit de tester le Marsupilami. En vrai, j'adorais la série quand j'étais petit, donc très hâte de tester. Mais n'hésitez pas, ouais, à rejoindre le Discord. Harry ne répondit rien. D'autre que
lui aurait peut-être eu du mal à comprendre pourquoi l'oncle Vernon faisait tant d'histoires pour quelques timbres en trop. Mais Harry avait vécu suffisamment longtemps chez les Dursley pour savoir à quel point il était sensible à tout ce qui sortait si peu que ce soit de l'ordinaire. Leur pire crainte, c'était que quelqu'un leur découvre des relations, si distantes soient-elles, avec des gens comme Madame Wesley. L'oncle Vernon continuait de lancer des regards furieux à Harry, qui s'efforçait de conserver d'un air parfaitement neutre. S'il ne faisait pas de bêtises, peut-être qu'il allait connaître un des plus grandes joies de sa vie. Il attendait que l'oncle Vernon dise quelque chose, mais celui-ci se contenta de l'observer d'un œil noir. Harry décida alors de rompre le silence. « Alors, est-ce que je peux y aller ? » demanda-t-il. Un léger spasme contracta le visage violacé de l'oncle Vernon. Sa moustache frémit. Harry croyait savoir ce qui se passait derrière cette moustache. Un furieux combat entre deux aspirations fondamentales de l'oncle Vernon. S'il donnait son autorisation, Harry en éprouverait un grand bonheur, ce que l'oncle Vernon avait tout fait pour éviter depuis 13 ans. D'un autre côté, si Harry disparaissait chez Blake Wesley pendant le reste des vacances d'été, il serait débarrassé de lui 2 semaines plus tôt que prévu. Or, l'oncle Vernon détestait par-dessus tout la présence de Harry sous son toit. Pour se donner le temps de réfléchir, il regarda à nouveau la lettre de Madame Weasley. Qui est cette femme ? Demanda-t-il, en contemplant la signature d'un air dégoûté. Tu l'as déjà vue, dit Harry. C'est la mère de mon ami Ron. Elle est venue le chercher à l'arrivée de Poudle, à l'arrivée du train qui nous ramenait de l'école pour les vacances. Il avait failli dire Poudlard Express, ce qui aurait été le moyen le plus sûr de déclencher la colère de son oncle. Personne ne prononçait jamais le nom de l'école de Harry chez les Dursley. L'oncle Vernon contracta ses traits de son énorme visage, comme s'il essayait de se rappeler quelque chose de particulièrement désagréable. Une petite femme grassouillette, grogna-t-il, avec toute une bande de rouquins. Harry fronça les sourcils. Il trouvait un peu exagéré de la part de l'oncle Vernon de traiter quiconque de grassouillet, alors que son propre fils, Dudley, avait finalement atteint l'objectif qu'il semblait s'être fixé depuis l'âge de 3 ans, c'est-à-dire devenir plus large que haut. L'oncle Vernon examina à nouveau la lettre. « Quidditch, marmonna-t-il, qu'est-ce que c'est que cette idiotie ?» À nouveau, Harry ressentit une pointe d'agacement. « C'est un sport, répliqua-t-il d'un ton sec. « Ça se joue sur des balles. »« c'est ça, dit l'oncle Vernon d'une voix sonore. » Harry remarqua avec une certaine satisfaction que son oncle paraissait vaguement affolé. Apparemment, ses nerfs ne supportaient pas d'entendre parler de balles volants dans son propre salon. Il se réfugia une nouvelle fois dans la lecture de la lettre, et Harry vit se former sur ses lèvres les mots « Que vous nous adressiez votre réponse par la voix normale. »« Qu'est-ce que ça veut dire, la voix normale ? » lança-t-il d'un air sévère. « Normal pour nous, » répondit Harry. Et avant que son oncle ait pu l'interrompre, il ajouta « Tu sais bien, les hiboux, c'est ça qui est normal chez les sorciers. » L'oncle Vernon parut aussi scandalisé que si Harry venait de prononcer le plus grossier des jurons. Tremblant de colère, il jeta un regard inquiet en direction de la fenêtre, comme s'il s'attendait à voir ses voisins l'oreille collée contre le carreau. Combien de fois faudra-t-il que je te répète de ne jamais faire allusion au surnaturel sous mon toit ? Dit-il d'une voix sifflante, tandis que son teint prenait une couleur de brune trop mûre. Tu portes sur le dos les vêtements que nous t'avons donnés, Pétunia et moi. Parce que Dudley n'en voulait plus, répliqua froidement Harry. Il était en effet vêtu d'un sweatshirt si grand pour lui qu'il tombait sur les genoux et d'un jean trop large, et il devait retrousser 5 fois ses manches pour pouvoir dégager ses mains. Je n'accepterai pas qu'on me parle sur ce ton, protesta l'oncle Vernon, frémissant de rage. Mais Harry n'avait pas l'intention de se laisser faire. Fini le temps où il était obligé d'observer scrupuleusement les règles stupides imposées par les Dursley. Il ne suivait pas le régime de Dudley, et même si l'oncle Vernon essayait de l'en empêcher, il ferait tout pour assister
à la Coupe du Monde de Quidditch. Harry prit une profonde inspiration pour essayer de se calmer, puis répondit. D'accord, je n'irai pas à la Coupe du Monde. Est-ce que je peux remonter dans ma chambre maintenant? Je dois terminer une lettre pour Sirius. Tu sais, mon parent. C'était gagné. Il avait prononcé les mots magiques. Il voyait à présent la couleur violacée du village, du visage de son oncle, prendre, perdre de son éclat et disparaître par endroits, donnant à son visage l'aspect d'une mauvaise glace de cassis. Tu vas lui écrire, dit l'oncle Vernon, d'une voix qu'il s'efforçait de rendre la plus calme possible. Mais Harry avait remarqué que les pupilles de ses yeux minuscules s'étaient contractées sous l'effet d'une peur soudaine. Oui, bien sûr, répondit Harry d'un ton détaché. Ça fait longtemps qu'il n'a pas eu de mes nouvelles, et si je tarde trop à lui en donner, il va finir par croire que quelque chose ne va pas. Il s'interrompit pour savourer l'effet de ses paroles. Il voyait presque les rouages tourner sous les épais cheveux bruns, séparés par une bien nette de l'oncle Vernon. S'il empêchait Harry d'écrire à Sirius, celui-ci penserait que son filleul était maltraité. S'il lui interdisait d'assister à la Coupe du Monde de Quidditch, Harry l'écrirait à Sirius, qui saurait alors qu'il était véritablement maltraité. Il ne restait plus à l'oncle Vernon qu'une seule solution. Harry avait l'impression de voir la conclusion de ses réflexions se former dans son esprit, comme si son gros visage moustachu avait été transparent. Harry s'efforça de ne pas sourire, de paraître le plus neutre possible. Alors, bon, très bien, tu n'as qu'à aller chez ce fichu, à ce stupide, à ce machin de Coupe du Monde. Écris donc à ces Weasley qu'ils viennent te chercher. Moi, je ne vais pas passer mon temps à te conduire je ne sais où à travers tout le pays. Tu peux aussi rester là-bas jusqu'à la fin des vacances, par la même occasion. Et dis-le à ton parrain, n'oublie pas de lui dire que tu y vas. Yes, c'est gagné. D'accord, répondit Harry d'un ton éclatant. Il tourna les talons et se dirigea vers la porte du salon, en se retenant de sauter en l'air et de pousser des cris de joie. Il y allait. Il allait chez les Weasley. Il verrait la Coupe du Monde de Quidditch. Dans l'entrée, il faillit renverser Dudley, qui s'était caché derrière la porte dans l'espoir qu'elle clairement affichait d'entendre Harry subir les foudres de l'oncle Vernon. Il parut indigné en voyant Harry le regarder avec un grand sourire. C'était un excellent petit déjeuner, tu ne trouves pas? Dit Harry. J'ai vraiment bien mangé, pas toi. Éclatant de rire devant l'expression stupéfaite de Dudley, Harry monta l'escalier 4 à 4 et se précipita dans sa chambre. Il vit tout de suite qu'Edwidge était de retour. Elle était perchée sur sa cage, fixant Harry de ses énormes yeux couleur d'ambre et faisait claquer son bec pour manifester son agacement. Aïe! S'exclama Harry. Quelque chose qui ressemblait à une petite balle de tennis grise couverte de plumes venait de heurter en plein fouet la joue de Harry. Il se massa vigoureusement et regarda ce qu'il avait frappé. C'était un minuscule hibou, assez petit pour tenir au creux de sa main, et qui volait tout autour de la pièce d'un air surexcité, comme une fusée de feu d'artifice devenue folle. Harry s'aperçut alors que le hibou avait laissé tomber une lettre à ses pieds. Il se pencha pour la ramasser et reconnut l'écriture de Ron. À l'intérieur, il trouva un petit mot hâtement rédigé. Harry, papa a eu les billets. Irlande contre Bulgarie, lundi soir, maman a écrit à tes moldus pour leur demander qu'ils te laissent venir chez nous. Ils ont peut-être déjà eu sa lettre, je ne sais pas combien de temps, mais la poste des moldus. Moi, en tout cas, je t'envoie coq. Harry s'arrêta sur le mot coq, puis il leva les yeux vers le minuscule hibou qui volait à toute vitesse autour de l'abat-jour accroché au plafond. Il se demanda en quoi il pouvait bien ressembler à un coq. Peut-être avait-il mal lu l'écriture de Ron. Il poursuivit la lecture de la lettre. Nous allons venir te chercher, que ça plaise ou non à tes moldus. Il n'est pas question que tu manques la Coupe du Monde, mais papa et maman pensent que ce serait mieux de faire semblant de leur demander la permission d'abord. S'ils sont d'accord, renvoie-moi coq avec ta réponse illico presto et on viendra te chercher à 5h de l'après-midi. Dimanche prochain. S'ils ne sont pas d'accord, renvoie-moi coq illico presto
et on viendra quand même te chercher à 5h de l'après-midi, dimanche prochain. Hermione arrive cet après-midi. Percy a commencé à travailler au département de la coopération magique internationale. Surtout, ne lui parle pas de quoi que ce soit qui concerne des pays étrangers, si tu ne veux pas être étouffé par des discours à mourir d'ennui. À bientôt, Ron. Du calme, dit Harry au minuscule hibou. Celui-ci voltait au-dessus de sa tête en poussant des cris triomphants, apparemment très fier d'avoir réussi à emporter les lettres à son destinataire. Viens là, il faut que tu repartes avec ma réponse. Dans un bruissement d'ailes, le hibou volta au-dessus de la cage des Twitch et lui lança un regard glacial, comme pour le mettre au défi d'approcher davantage. Harry prit une plume d'aigle et un morceau de parchemin, puis se mit à écrire. Ron, tout d'abord, les moldus ont dit que je pouvais venir. On se voit demain à 5h, vivement demain, Harry. Il plia le parchemin pour qu'il soit le plus petit possible et au prix d'immenses difficultés, il le fixa à la patte minuscule du hibou qui sautait sur place, tout excité par sa nouvelle mission. Dès que le parchemin fut soigneusement attaché, l'oiseau se précipita au dehors et disparut à l'horizon. Harry se tourna alors vers Edwidge. « Tu as envie de faire un long voyage ?» lui demanda-t-il. Edwidge ulula d'un air digne. « Tu peux apporter ça à Sirius de ma part, » dit-il, en prenant sa lettre. « Attends une minute, j'ai quelque chose à ajouter. » Il déplia le parchemin et rédigea hâtivement un post-scriptum. « Si tu veux me joindre, je serai chez mon ami Ron Weasley jusqu'à la fin des vacances. » Son père a réussi à nous avoir des billets pour la Coupe du Monde de Quidditch. Sa lettre terminée, il l'attacha à la patte des Twitch, qui resta parfaitement immobile, bien décidé à lui montrer comment une chouette postale digne de ce nom devait se comporter. Je serai chez Ron quand tu reviendras, d'accord ? Lui dit Harry. Elle lui mordilla affectueusement le doigt, puis, dans un bruissement feutré, elle déploya ses ailes immenses et s'envola par la fenêtre ouverte. Harry la regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'elle soit hors de vue, puis il se glissa sous son lit, souleva la lame de parquet et retira de sa cachette un gros morceau de gâteau d'anniversaire. Il resta assis par terre pour le manger, savourant l'impression de bonheur qui le submergeait. Il mangeait du gâteau alors que Dudley devait se contenter de pamplemousse. C'était une magnifique journée d'été. Il allait quitter Privet Drive dès le lendemain. Sa cicatrice était redevenue parfaitement normale et il assisterait bientôt à la finale de la Coupe du Monde de Quidditch. En cet instant, il aurait été difficile de s'inquiéter de quoi que ce soit, y compris de Lord Voldemort. Les trois chapitres, la suite sera dimanche prochain pour les SMR. Et du coup, on se retrouve pour ceux qui veulent. N'hésitez pas à follow comme ça, vous serez avertis des lives. Le prochain.